Sana anılarını sağlam. Onca canavı. Nazamilalik tanim. Lakaldik, nakaldik sana ol. Sen gol daşı sana ol, lakaldik. Muşak. Gıbabek tanim. Nakaldik, nakaldik batel. Musallum sana bek tanim. Tekin nakaldik sana ol. Kulun ki sana ol, kulun ki sana ol. Chiapas. ¡Viva! ¡Viva la sociedad civil nacional e internacional! ¡Viva! ¡Viva la lucha justa de todos los pueblos! ¡Viva! Alors là, je rêve que je suis caché derrière un énorme rocher, au milieu d'un désert de sable. J'ai l'impression que ce désert a à voir avec des représentations des photographies de Sophie Ristel-Huber, qui avait photographié des tranchées, en fait, au Koweït, pendant la guerre entre l'Irak et le Koweït. Donc je suis cachée derrière ces rochers, avec un groupe d'enfants. On est en colonie de vacances en Irak. Et donc on doit se protéger des bombardements. Et
les bombes explosent partout autour de nous et nous on se met à l'abri. Je rêve que de ce moment précis où je me cache avec des enfants pour échapper au bombardement. Il y a 4-5 enfants avec moi. Nous sommes très isolés, dans un grand désert. Et peut-être que ce rocher est contre une falaise. Ou peut-être qu'on est entre une falaise et un gros rocher. On est dans un désert de sable, donc c'est très jaune. Plutôt les éclats d'obus qui font jaillir du sable, comme ça, du sol. Comme des gerbes, en fait. Des gerbes de sable. Et là, je me réveille. Thank you.
Ik droom dat ik in de buurt rondloop van mijn ouderlijk huis, waar ik ben opgegroeid als kind. Je rêve que je fais une promenade avec mon père. De straten zijn verlaten. Het is dans le quartier où un zondag. J'ai habité quand j'étais un enfant. Er zijn weinig mensen op straat. Ik loop met mijn vader. En op straat zie ik een vogeltje zitten. Het is een kleine mus en ze loopt. Je vois un oiseau sur le sol, moeizaam. Maar wel statig. C'est une moineau. Ze kijkt me aan en ik sta stil en ik hoop stiekem dat ze op zal vliegen en op mijn hand komt zitten. Dus ik steek mijn hand al uit. Je tends ma main. Wacht. Et j'espère qu'elle va voler jusqu'à ma main. Maar ze blijft zitten. Mais elle ne fait pas ça. Ik loop een klein stukje verder en ineens vliegt het vogeltje op en strijkt neer op mijn hand. Donc je continue mon promenade. Ik voel hoe zwaar ze is. Et le moineau vient se poser sur ma main. Het is een kleine mus. Elle est lourde. Ze lijkt zo zwaar te zijn als een meeuw of een grotere vogel. Elle me regarde. En ik kijk haar aan. Ze heeft blauwe ogen. Avec les yeux bleus. Het is bijna alsof ik haar herken. En dan geef ik het vogeltje. Je donne un bisou. Een kusje. Mais je ne sens pas le bec. Ik breng haar naar mijn mond toe en ik voel niet zijn snaveltje, maar ik voel twee zachte lippen. Je la regarde. Et ce n'est pas seulement un oiseau, mais c'est ma grand-mère. Het is mijn oma. Qui a mort il y a deux semaines. En terug kijk ik naar de vogel en ik herken hem niet. Het zijn mijn oma haar ogen. En als ik weer kus, zijn het mijn oma haar lippen. Et je donne un autre bisou. Mijn oma is kort geleden overleden. Maar nu zit ze op mijn hand. Et après ma grand-mère. En ze kijkt me nog eens aan. Ik kijk terug. Me regarde. Dan vliegt ze op. S'envole. En ze verdwijnt en ik kijk erna. Et je continue ma promenade. En ik loop verder. Et je me réveille. En word wakker. Alors, on fait demi-tour pour la chambre de pesage. On va aller voir la chambre de pesage. On va voir la chambre de pesage par là. Une bascule était adossée à ce mur où seuls les hommes étaient pesés. Nous irons avec votre permission visiter les cellules. Conduit jusqu'au fond. Et dans cette galerie, ces pauvres enfants y couchaient avec le sol auquel on se. Et là, vous êtes chez les jeunes filles, ces jeunes filles séparées des femmes. Et là, maintenant, bien, vous êtes chez les ineptes temporaires. Et pourquoi cette appellation d'ineptes temporaires? C'est parce que la valeur, oui, si vous voulez jeter un coup d'œil sur la cellule réservée aux enfants, on a largement le temps. Et pourquoi cette appellation d'inapte temporaire?
parce que la valeur d'un homme dépendait de son poids. Moins de 60 kilos, ces hommes étaient mis dans cette cellule à l'effet d'être engraissés comme des oies. Aux États-Unis, la mère au Brésil, au Cuba, l'enfant Haïti, les Antilles. Ils partaient d'ici sous les numéros matricules, jamais sous leurs noms africains. Dans les plantations aux Amériques, ils optaient pour le nom de leur grand maître blanc. C'est donc des noms d'emprunt qu'ils ont actuellement et non des noms d'origine africaine. De cette forme pour ces esclaves, c'était de l'Afrique. Nous allons jeter un boulet ici. Alors, à partir donc de cette forme, vous aviez un chien rogné. Les non-connaisseurs en français, ça, c'est le rogné, le bois de palmier qui est putatif, qui s'émerveille alors pour Barcadère. Le dernier couloir face à la mer, les gardiens, figé l'âme au froid devant les créneaux au moment des embarquements, parce qu'à chaque embarquement, il y avait tentative d'évasion. Ces pauvres terres ne pouvant aller loin parce qu'on vient abattu par ces gardiens ou dévoré par les requins. Et pourquoi ces requins? Parce que malades ou agonisants étaient jetés à la mer. Et cela attirait les requins. Évidemment, actuellement, pour les baigneurs, ben, vous ne risquez rien, il y a plus de requins. De toute façon, vous êtes souvent protégé avec une certaine magie noire. Mais monsieur Dumour est noir, il n'a jamais été anglais. Hein? Alors, on fait demi-tour pour la chambre de pesage. On va aller voir la chambre de pesage. On va voir la chambre de pesage par là.
Les vieilles portes que j'avais, j'ai entré.
qui ont entré. Ouais. Ne sais plus quoi. Je ne sais pas, mais je sais. Madame Nelson, vous demandez de Ouais, سره ما خویندو سره ما غرونو سره ما واوخ که زه ډیر خوشحاله یم یو بل سره ټوکې ټکارې کوو سره یو بل سره خندا خبرې کوو سره مې کرکټ کوو یا خویندو سره مې کرکټ ټوکې ټکارې کوو بیا هغه آواز کو چې تاسو ما ته راوړه واوخ که زه ډیر زیات خوشحاله یم Je vais dehors, je joue au cricket avec mon frère. Je me réveille. Je suis seul. J'ai peur. Je suis si triste. Ce n'était qu'un rêve. Je pleure. C'est 3 mois avec l'armée de Bachar, 3 mois avec la SL. Et de nouveau 3 mois avec l'armée de Bachar, et 3 mois avec la SL. Et à Idleb, il y a les avions, et il y a les bombes qui font tousser. Et à Idleb, il y a la guerre tout le temps. 3 mois avec Bachar, et 3 mois avec la SL. Et 3 mois avec la SL, et 3 mois avec Bachar. 3 mois. Trois mois. Alors je pars en Turquie, avec mes 3 enfants, avec mon père, et je suis enceinte de 6 mois. Et il y a mon mari qui est pâtissier, mais nous n'avons pas assez d'argent pour lui. Alors mon mari reste en Syrie, 3 mois avec Bachar et 3 mois avec la SL. On part en Turquie. On marche dans la montagne. Et mon père marche très lentement. Après. Après. Après, on prend une voiture jusqu'à Izmir. Après, je prends le bateau de nuit avec mes enfants. Après, le monsieur de la mafia dit « Allez, vite !» Et le monsieur de la mafia tient un fusil. Après, « Vite !» Après, les enfants ont très peur. « Allez, vite !» Après, il reste comme ça 30 minutes, et même 40. Après, je porte mes enfants sur mes épaules. Et mon père est appuyé sur mon dos. Après, il y a 20 places dans le bateau. Et il y a 60 personnes qui montent. Après, vite. Après,
C'est un bateau pneumatique. Après, il n'y a pas de place et tous les sacs tombent à la mer. Après, le pilote du bateau est très gentil. Après, j'ai de l'eau jusqu'au menton. Après, il ne faut pas bouger. Après, les enfants pleurent beaucoup. Après, on doit tous aller à tribord pour équilibrer le bateau. Après, une petite fille meurt avant d'arriver en Grèce. La traversée dure 4h30. Après, les sacs tombent dans la mer. Après, les téléphones tombent dans la mer. Après, on est en Grèce pendant 7 mois. On va à Athènes. On va à Thessalonique. Après, s'il vous plaît, pour les enfants. Après, mais les voitures ne s'arrêtent pas. Après, je suis trop fatigué et on couche sur la route. Après, c'est très difficile. Après, un taxi s'arrête et nous prend pendant 15 minutes. Après, on est très très fatigué. Après, marche. Après, mon père est très très fatigué. Après, oh là là. Après, je ne trouve rien à manger. Après, on marche pendant 10 heures. Après, il n'y a rien à manger. Après, s'il vous plaît, pour les enfants. Après, non. Après, oh là là, c'est très difficile. Après, on dort encore sur la route. Après, on est accueilli dans un camp. Après, il y a des lits superposés. Mon père dort à côté de moi. Après, on ne veut pas croire que je suis enceinte. Après, reste là. Après, je reste malade pendant 2 mois. Après, avec la toux, avec la fièvre. Après, rien à manger pendant 10 jours. Après, on attend, encore, on attend, encore, encore, on attend. Après, on va dans un camp à la frontière. Après, s'il vous plaît, avec les enfants. Après, j'ai mal au ventre. Après, je n'ai pas beaucoup de vêtements. Après, je lave les vêtements des enfants. Après, j'ai mal au ventre. Après, oh là là. Après, je lave les enfants avec des lingettes. Après, j'accouche dans le camp. Après, c'est un petit garçon. C'est mon petit Omar. Après, le cordon ombilical reste collé dans mon ventre. Après, le docteur dit « Ne bougez pas, madame ». Après, le docteur fait sortir le cordon en tapant sur mon ventre. Après, boum 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 sur mon ventre. Après, tout le monde veut voir le bébé. Après, oh là là. Après, je reste 5 jours à l'hôpital. Après, on me donne du chocolat. Après, je veux voir mes enfants. Après, s'il vous plaît, docteur, s'il vous plaît, une heure, juste une heure. Après, le docteur dit, bon, d'accord. Merci. Après, il faut faire la queue tous les jours. Le matin, le soir, le matin. Le soir. Après. Les enfants pleurent tout le temps. Après. Mon père est très fatigué. Après, je dois rester dans un hôtel. Après, il faut faire des papiers. Après, je dois choisir un pays d'accueil. Après, oh là là. Après, j'attends comme ça 3 mois, 4 mois. Après, il y a un rendez-vous au consulat. Après, blablabla pendant 3 heures. Après, s'il vous plaît, madame. Après, j'attends. Après, s'il vous plaît, monsieur. Après, je dois sortir. Après, c'est à moi. Après, oh merci, madame. Après, je dois passer les examens médicaux. Après, je dois prendre les papiers. Après. Oh là là. Après, j'ai les papiers. Après, oh merci madame. Après.
après. Après, pendant 2 heures. Après, non. Après, pendant 8 heures. Après, pendant 1 heure. Après, oh là là. Après, pendant 4 heures. Après, oh merci madame. Après, pendant 3 jours. Après, pendant 2 heures. Après, pendant 12 heures. Après, pendant 5 heures. Après, pendant 8 jours. Cela se passe dans une école. Il y a des enfants. Les enfants ont leur repas avec eux, dans un panier. Je mange les repas des enfants. Le gardien de l'école arrive et m'ordonne d'arrêter de manger les repas des enfants et de quitter les lieux. Ensuite, je mange d'autres repas dans un autre lieu. Et mon ami ne veut pas manger cette nourriture parce que quelqu'un en a déjà mangé la moitié. Je réponds, pas de problème. Et alors je la mange. Des gens arrivent. Ils ont des couteaux. Ils veulent me battre. Désolée. Je suis vraiment désolée. Je veux juste manger cette nourriture. Et je vais sortir du bâtiment. Je me réveille. Rien du tout. Hein. Non, mais non, pas du tout. Même pas marocaine, même pas truc. Je me sens ce que je suis pour le moment. Oui. C'est un problème grave. Je crois que ça va pas. Parce qu'on vient de s'engueuler pour cette histoire d'intégration. Je vous ai parlé le premier jour, j'étais énervée. Non, je sais pas. Je pratique pas les coutumes de Maroc. Mm-hmm. Je peux pas dire. Mais vraiment. Et le problème, c'est le fait peut-être que je suis venue ici un peu jeune. Oui. Bon, jeune, non. Et pourtant, j'avais quand même. Je sais pas. Pourquoi en fait je me sens quoi? Exactement, je me sens quoi? Non, normal. Simple, avec une personne qui vit en France. Mais je sais pas si je suis marocaine, si je suis française. Mais je me sens pas. Je sais pas moi. Mm-hmm. Je sais pas comment je peux expliquer ça. Je suis de Villeneuve-le-Roi. Salut, avant de venir, déjà je pensais un pays, je sais pas moi. Je sais pas comment vous dire. Salut, je pensais à toi. Même là, les gens ils pensent maintenant à un très beau pays. Très beau pays, sans arbres, sans rien quoi, c'est-à-dire tout blanc. Mais je suis arrivée, je disais, mais c'est comme le paysage, des fois c'est comme le Cameroun en fait. Sans arbres, sans rien quoi, c'est-à-dire tout blanc, mais sans rien quoi, c'est-à-dire tout blanc, mais.
Je pensais que je ne pouvais pas avoir des arbres, voyez, des champs, des herbes. Je croyais comme, je pensais comme ça. Oh, c'est faux. Sans rien quoi, c'est-à-dire tout blanc, mais oh, c'est faux. Je me suis dit, la nature partout dans le monde entier, c'est pareil. C'est parce qu'en France, on va s'en arranger, c'est tout. Vous n'avez pas remarqué? En France, on va s'en arranger. Faire des beaux bâtiments, arranger tout. C'est le froid, l'hiver et le temps là-bas, c'est tout. У меня в моем паспорте виза, которая мне разрешает пребывать на территории Франции. И эта виза, виза визитер называется. Что это такое значит? Это значит, что я просто пришелец во Франции. Je suis rare personne qui donne l'état français, le papier, papier officiel, donne mon passeport, et où c'est écrit noir sur blanc que je suis visiteur. Et je suis très fière. Puisque nous sommes tous visiteurs sur cette planète et c'est ça ma vie. C'est ça ma vie. Мы все делаем визит. И это мне дает думать немножко в другом плане, что такое жизнь, которая прекрасна. Je suis là. J'ai perdu deux fois ma maison. J'ai reconstruit deux fois et j'ai perdu deux fois. Première fois en Russie, deuxième fois en Algérie. Et aujourd'hui, ici en France, je pose question. Est-ce que je veux encore construire ma maison? Строить. И chaque fois que je regarde mon passeport, потому что думаю, виза визитер глубоко. Je pense que nous sommes tous visiteurs sur cette planète-là. Donc, je crois que c'est ça aussi ma vie aujourd'hui, être visiteur. Et je suis très très fière parce qu'il m'a permis voir la vie autrement. La vie. Il m'a murmuré. Ça rana à cultiver. J'ai ici encore un dit. او سپین توری او باوی سبی وقتمو خوب لیدلو Dans mon rêve, des eaux noires et des eaux blanches se mélangent violemment. بس دی تیم که مرگلی هر سرا او دورده شد یا ایوی خونی تا دلوڑ شد Je suis avec des amis, nous sommes effrayés et nous nous enfuyons. Nous arrivons près d'une toute petite maison. Dedans, il y a une jeune fille, très très jolie. Nous lui donnons 20 euros. Il y a un peu de temps pour le fighting.
Quand je me réveille, je vois une bagarre entre des hommes noirs et des hommes blancs. Amen. 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 Amen.
خلاص بس انا اصلا ما تركت عندي على الاكشن قاصد لفتجنت اللي اسمه